Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et ce sera pour vous faire le tuto du millefeuille, donc le millefeuille Tout le monde connaît. voilà. Donc je vais commencer par le matériel. Donc pour les pâtes, on aura besoin d'encre, donc là c'est numéro 17, aussi de blanc en soft numéro 0 et de vanille en effet, mais je sais pas combien. Deux filaments liquides. On faisait quoi, un bidon. Voilà. D'un coulis blanc. Oui, parce que c'est soit la pâte filement blanc, soit un coulis blanc. Moi j'utilise du coulis. Et encore une fois, soit la pâte filement chocolat numéro 75 en soft ou coulis. Donc moi je vais prendre du coulis. Voilà, de coller. Et cuto scalpel lame, cure-dent, puis c'est tout. Un clou à œil. Allez, je le sors. Ouais, bon, c'est pas grave, je vais prendre celui-là même, c'est tout prêt. Voilà, un clou à œil. Donc voilà. On va commencer. Donc j'ai commencé déjà par faire trois plaques d'ocre, donc comme ceci. Donc j'en ai fait trois, les trois mêmes, exactement la même taille, la même grosseur. Voilà. Et donc je sais pas si vous voyez bien la lumière, elle est jouée comme ça. Non. Comme ça on voit un peu mieux, je crois. Oui, donc c'est pas grave. Je commence. Donc, vous prenez une plaque d'ocre, votre cutter, donc c'est plus facile avec une lame, mais je n'ai pas. Et vous allez, je vais faire pour vous montrer, faire comme si vous avez de la pâte feuilletée. Là. Je sais pas si c'est ça qu'elle va vous faire. Mais faire des traits comme ça, hop. Tout le machin, hop. Donc voilà, je vais commencer, je vous montrerai ce que ça fait après. Donc voilà, j'ai coupé la vidéo tant que je fasse tout mes traits comme ça va. Parce que sinon ça va être trop lourd encore. Donc après on va prendre la pince. Ah oui, là, il faut une pince pour ça. À chaque fois il faut une. Il faudrait qu'on accueille. On prend le clou à œil, si on arrive à le choper. Et je vais choisir celui qui sera au milieu. Donc pour moi ce sera celui-là. Et voilà, donc vous mettez le coin dans celui du milieu. Voilà. Je l'ai un peu déformé, mais bon, ça va être reformé. Et on va prendre son coulis couleur vanille. Donc voilà, moi j'aime plus beaucoup parce que j'ai déjà fait des autres. Comment ça s'appelle déjà? Ouh, j'ai pas de nom. Mille feuilles, voilà. Donc voilà, j'en ai déjà fait. Donc, oui, celui-là, donc c'est moitié filmo liquide, donc à 50% et 50% de filmo couleur vanille. Donc, ça, voilà, que vous voulez. Donc, voilà, donc déjà, si vous avez fait un nouveau filmo, si vous trouvez un peu, ça va être une plus. La vidéo, j'en ai peut-être demain ou après. Demain. Surtout que je vais aussi recevoir mon colis de super là-bas. Donc voilà, je vous préviens. Je vous préviens. Voilà, donc normalement, mon colis de super là-bas, je reçois soit demain ou soit vendredi.
très bien. Comme la poste est très 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 maligne, hein, on peut dire ça. Une fois ils ont livré un colis, c'était pas super mal. Donc, je raconte un peu ma vie, désolé, c'est une super chose. Mais ils l'ont livré chez ma voisine qui a 80 ans. Voilà. Ils n'ont pas remarqué que c'est elle qui prenait les jumeaux, ils ont dû se dire. Oui, bien sûr. Je crois que c'était un colis qui venait de chez la petite épicerie. Voilà. Donc, vous avez mis le coulis sur la première plaque et vous allez poser votre deuxième plaque, que celle qui a le couille, comme ça. Et voilà. Et là, je vais mettre la plaque. Donc la dernière. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai positionné tout ça. Parce qu'il y a vraiment un jet. Parce que ça a salé les doigts. Hop, le coulis. On n'en a plus besoin. Et donc, vos coulis, mettez-le bien dans du verre. Parce qu'en fait, la fumée liquide, ça bouffe. Ça bouffe le plastique. Donc si vous mettez un peu plus en plastique, ça bouffe. Donc voilà, donc soit vous refaisez après un coulis un film au blanc, mais moi je vais prendre un coulis blanc. Comme ça, je sais pas du tout. Donc hop. Et là, vous allez. On va faire couler comme ça. Voilà. Et grâce au coulis, hein, quelle belle je suis. Voilà. Vous allez bien l'étaler. Donc je suis avec ma lingette toujours parce qu'en fait à la force d'appuyer un peu le coulis vanille il coule sur la côté donc voilà j'ai su mais ça va très bien avec une lingette. Et donc là on va préparer le cure-dent et le coulis chocolat. Donc voilà, attendez parce que mon petit chocolat c'est ce petit jogging perle, c'est vraiment pas des coulis super bien. Hein. Avec le bouchon il rentre jamais dedans. Ça j'ai pas compris. Non mais en vrai, le bouchon il rentre pas dedans. Allô, c'est un bouchon qui rentre. Pas un truc. Allô. Et bon, je raconte un peu ma vie. Qu'au commentaire, dites-moi hein, si vous trouvez que je raconte aussi ma vie. Donc. Hop. Je me dépêche que ça soit pas trop long. Voilà. Et une fois que c'est mis comme ça, donc c'est pas grave, c'est pas très bien réparti. Voilà.
Et là, alors là, ça va être un peu plus. Faut comprendre, voilà. Vous allez prendre au milieu. Attendez, j'ai changé de carreau, c'est ça, j'ai oublié. Au milieu, et vous allez faire un trait, donc comme ceci. Voilà. Et après, vous allez prendre sur les côtés et passer comme ceci. Voilà. Et donc, voilà, c'est fini pour ce tuto. Donc, il est comme ça. Donc, ça fait le premier millefeuille de trait réaliste. Donc, voilà. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!